Nous sommes fiers de vous présenter une petite histoire de Noël très particulière. C'est l'histoire de Nadia Rousseau, son petit frère Jack, son papa et sa maman. Ils ont décidé de passer Noël dans un magnifique chalet dans le fin fond de la forêt. Tout allait bien, jusqu'à ce que Nadia et son papa se chicanent. Tout ce que tu fais, c'est travailler, travailler, puis travailler. Ben c'est ça, la vie travaillée. La vie, c'est pas juste des histoires de princesses, de cadeaux de Noël, puis de lutins. Nadia était tellement en colère contre son papa qu'elle a demandé au Père Noël qu'il devienne un lutin. Vous pouvez garder tous mes cadeaux et tous mes jouets de princesse. Parce que je pense que si papa était un lutin, il serait beaucoup plus heureux. Parce que les lutins sont toujours heureux. Ça serait le plus beau Noël de toute ma vie. Le lendemain, à son réveil, la maman était des plus heureuses. Boum! Oh! Eric! Mon nom, c'est pas Eric, c'est Pedro! Hey, le clown, tu me fais ça une autre fois, je te jure, je t'arrache le pompon. Bouf! Eric! Est devenu un lutin. Est-ce que c'est ta canne à bonbons que je sens là ou t'es vraiment content de me voir? Mais tiens, j'en ai une autre.